Y'all ever thought about how many wild missions we've been on? And we somehow always survive? Yeah, so far so good, I guess. It's just luck. No, no, no. See, y'all not listening. Think about this. We've now been on insane missions around the world, doing what most would say is damn near impossible. And I ain't got one single scar to show for it? I mean, look at my jacket. Those are bullet holes from 14 dudes trying to take my head clean off his shoulders. We've taken out cars, trains, tanks. I'm not gonna even mention the submarine. And yet we're still here. Exactly. Ramsey, what happens when you test a theory over and over again only to come to the same result? A hypothesis becomes fact, but you're not actually suggesting that. I don't know, but when the improbable happens again and again, that's more than luck. Maybe we're not so normal. That's what I'm saying. We are not normal. Okay, just to clarify, are you two maybe suggesting that we're what? Invincible? Maybe. Maybe. Or maybe you're just a dumbass. Take your dumbass jacket with you, man. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 1. Cette semaine, émission cancre, traces de pneus et rattrapage. Bref, c'est la rentrée des classes pour En attendant Godard. C'est le retour pour la famille des plus fins esthètes du cinéma du Grand Ouest. On refile à toute berzingue sur l'autoroute du cinéma avec notre pote Dom dans sa voiture jaune qui traverse la ville comme un éclair. Il vire, il freine, hurle et klaxonne, mais n'évite pas le lampadaire. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez compris, c'est la première émission de la saison, notre 14e saison déjà. N'est-ce pas, Jean-Baptiste ? Ça ne vous rajeunit pas ? Non. À l'époque où tu étais là, où tu venais, où tu intervenais quand tu étais jeune, tu étais fringant. J'avais encore des cheveux. Non, c'est pas vrai. Donc, vous l'aurez compris, avec nous, il y a le docteur Jean-Baptiste Massuet. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous. Un autre docteur parmi nous, c'est vraiment une émission d'esthète. Donc, il y a le docteur Erwan. Salut, doc. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir, Valentin. Bonsoir. Profitez d'écouter Jean-Baptiste ce soir, car à mon avis, vous n'allez pas le réentendre pendant peut-être un petit moment, car on ne sait jamais, mais ce jeune homme a des occupations souvent. Comme on aime à le répéter, il vient ici pour l'agrément, soit pour parler de Robert Zemeckis, pour parler quand il sort des livres, ou alors pour parler de sujets d'importance comme ce soir. Nous allons y revenir. Mais donc, dès la semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Justine et carrément Fleuret. Comme l'année dernière, ils s'excusent tous les deux de ne pas pouvoir être là. Thibaut vous fait la bise, ainsi qu'à vous, cher, à notre million d'auditeurs et auditrices. Et donc, vous l'aurez peut-être aussi compris via cette introduction, nous allons parler ce soir donc de la famille, d'un sujet d'importance pour certains membres de cette émission, pour les esthètes les plus fins, puisque nous allons parler de la meilleure sortie de cet été. Donc, bien évidemment, c'est Fast and Furious 9 de Justin Lin, saga dont nous sommes comme légèrement investis dans le travail critique depuis 10 ans, parce que depuis Fast 5, donc de Justin Lin déjà, qui était sorti en 2011 et qui nous avait fait un effet bœuf, on peut le dire, mon cher Jean-Baptiste. C'est vrai. Ce qui est assez génial, c'est de voir à quel point, depuis le 5, on était extrêmement nombreux à chroniquer les Fast and Furious, et à mesure qu'on avance dans les épisodes, on est de moins en moins nombreux, voilà. Puisque Erwan n'a pas vu le film, si je ne m'abuse. Non, non, non. Mais il y a juste que Thomas et moi qui allons déblatérer sur ce film. Réduit comme peau de chagrin les amateurs. Depuis que le grand timonier n'est plus là, voilà, que veux-tu. Moi, ce que j'aime, c'est vous écouter. Je préfère presque le commentaire que de voir le film. J'ai même peur d'être déçu, parce que tu vois.
Donc voilà, donc ce sera le film principal, donc Fast and Furious 9, et après nous parlerons de quelques sorties de cet été, notamment La Loi de Téhéran, film iranien de Saïd Roustagi. Après, le docteur parlera de Cher Camarade, car c'est un bolchevique, donc de Andrei Konchalovsky. Et après, si encore on a un peu de temps, on parlera de quelques autres petites panouilles, notamment le M. Night Shyamalan Ding Dong, donc Old, qui est sorti, peut-être sur Onoda de Arthur Harari, mais ça dépend si on a du temps. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, déjà nous vous souhaitons bien évidemment une bonne rentrée, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, sauf si vous êtes nazi, bien évidemment. Mais donc voilà, c'est notamment pour ici sur le campus de Rennes 2, où sont les studios de Scilab, donc la rentrée universitaire, il y a plein de monde. C'est très désagréable de voir autant de jeunes d'un coup attifés n'importe comment. Le monde va vraiment à volo. Vous êtes d'accord, docteur Massuet? No comment. Vous qui enseignez ici, non? Heureusement qu'Éric Zemmour va remettre de l'ordre dans tout ça. Ah bah ça, tu m'étonnes. D'ailleurs, avant de parler de cinéma, une petite information de cet après-midi. Si vous me permettez, une information politique. Donc pendant le Grenelle de la sécurité qui a été mené par Gérard Beauvau, donc le président Emmanuel Macron a annoncé notamment qu'en renfort de la maison Poulaga officielle, il y allait avoir une police parallèle qui serait créée pour faire la sécurité. En tout cas, on peut le dire, c'est un vrai gaulliste, c'est le retour du SAC, du service d'action civique. On vit vraiment une époque formidable. Voilà. Donc, on va passer quand même aux informations locales de cinéma. Ce soir, ça recommence donc dans le Nouvel Arvor, qui est juste à côté de la gare, donc à 20h15, juste à la fin de cette émission. Quelle chance! Vous allez pouvoir voir en avant-première le documentaire Fils de Garche de Rémi Gendarme. Nous en parlerons ici dans quelques semaines. Un très très beau documentaire que je vous recommande chaudement. Et demain, au Tambour, donc c'est la reprise du Ciné-Tambour sur le campus de Rennes 2, donc avec deux films à 18h, Naissance des pieuvres, premier long métrage de son meilleur film d'ailleurs, je pense, c'est Insiama, et suivi de Nos années sauvages à 20h30 de Wong Kar-wai, et signant que Wong Kar-wai est ressorti aussi cet été en version restaurée In the Mood for Love. Ah oui. Et oui, d'accord. Exactement, c'est pas mal. Mais nous aurons l'occasion de revenir, nous, je pense, sur Wong Kar-wai dans les semaines à venir. Donc voilà, sinon, toujours à l'Arvor, on n'a pas de partenariat avec eux, hein, n'allez pas croire ça, mais donc jeudi prochain, le 16, c'est un double programme consacré à Satoshi Kon, avec à 18h30, je crois, ou 19h, un documentaire de Alex Pascal Vincent qui lui est consacré, suivi après donc de la projection de Perfect Blue. Voilà, qui aurait dû passer. Non, c'était Mélina McTresse qui devait passer, oui, juste au moment du confinement. Voilà. Donc, mais lequel confinement tu parles, voilà. le premier. Ah oui, le premier. Celui qui était bien. Celui qui était bien. Le vrai, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est une espèce de vengeance, finalement. Enfin, de revanche de notre regretté Satoshi Kon. Voilà, exactement. Qui... En tout cas, on vous encourage à aller voir ça. Ça va être très, très bien. Sinon, donc on en reparlera peut-être après, mais enfin plus tard, mais à partir du 22 septembre jusqu'au 3 octobre, il y a le festival Court-Métrange à Rennes, donc dans plusieurs cinémas, ils vont vous proposer divers événements et diverses projections. Et sinon, donc pour finir sur les projections, toujours à l'Arvor, mais ça sera plus tard, on aura l'occasion d'y revenir largement, donc ça sera le 10 octobre dans le cadre des films du dimanche soir qui vous sont proposés par nous-mêmes et par nos camarades mais néanmoins ennemis du cinéma et mort. Donc ce sera la projection de Hit de Michael Mann, qu'on est très très content de pouvoir vous passer. T'es peut-être le seul connard de cette émission qui n'est pas Michael Mann, alors tu vas te calmer. Mais si tu sais l'adaptation de Stephen King par Michael Mann, voyons, c'est ça. Avec le clown. Voilà. De toute façon, je viendrai mais à carrément. L'émission sur Michael Mann pour, carrément. Oui, pour voilà, bâcher. Rétablir un peu d'autant la vérité. D'autant qu'il y aura Air Force One, le grand timonier qui sera là, je pense qu'on fera une très longue émission dessus. D'autant si, que... si ça peut te rassurer, je ne suis pas non plus un total fan de Michael Mann. D'autant j'ai des réserves sur certaines choses, j'aime beaucoup certaines choses, j'aime moins d'autres choses. Notamment sur Hit, qui est un film pour moi justement. On en reparlera en temps voulu, d'autant que je vous rappelle que la fin du mois sort enfin, après 15 ans d'attente, le livre de Jean-Baptiste Torres sur Michael Mann que j'ai eu entre les pattes, que j'ai lu. Que je vous ferai circuler, c'est Thibaut qui l'a en ce moment. Tout à fait. Et c'est très très bien, ça donne vraiment du grain à Moon, c'est assez passionnant. En même temps, après 15 ans d'attente, ça a fait quand même un petit peu mal au cul que t'aurais torché ton truc, quoi. Mais non, c'est très bien. Donc on a très hâte de vous reparler de tout ça. Et pour finir, donc avant de passer à la section critique de cette émission, bien évidemment, les Rest in Peace, on va pas faire tous les Rest in Peace de l'été, hein, parce que c'est l'été, il fait chaud, donc il y a des vieux qui meurent. Mais donc la semaine dernière, il y a eu notamment deux décès. Donc il y a eu bien évidemment Jean-Paul Belmondo qui est mort lundi dernier. On a su ça dans l'après-midi et le soir. On a aussi appris le décès de Michael K. Williams, l'immense acteur de The Wire, qui jouait Omar notamment, qui jouait de Bordeaux Campire.
d'ailleurs. Dans Boardwalk Empire, donc voilà, deux dans la même journée. Ah, j'étais en deuil ce jour-là. Ouais, c'était une bonne rentrée. Et qui a terminé sa carrière avec malheureusement une extrêmement mauvaise série qui est Lovecraft Country sur HBO. C'est vrai que c'était pas top. Ah non, c'est même plus que pas top, c'est détestable pour moi. C'est un des pires trucs que j'ai vu à la télévision, je l'ai déjà dit, donc je n'ai pas m'étalé là-dessus. Mais donc voilà. C'est très regrettable que ce soit son dernier rôle, même si c'est probablement lui qui est le moins mauvais à l'intérieur de la série, je trouve. Donc voilà, malheureusement, c'était les nouvelles pour commencer la rentrée. Pas d'autres informations à faire passer, messieurs? Bah non, sinon c'était venin aussi, quoi, cet été. Oui, quoi, cet été aussi, oui. Oui, mais il y a eu pas mal. On a perdu pas mal de monde, quand même. Mais nous, on est toujours là, toujours la banane, toujours debout, comme disait Renaud, qui lui n'est pas mort, hein, évidemment. Mais... Donc voilà, on va passer, donc, comme je le disais, à la section critique de cette émission. On va retourner à notre amour de la tôle froissée, des petits aspects et surtout de la famille, n'oublions pas, car c'est le plus important. Et donc pour ça, une fois de plus, on écoute la meilleure chanson populaire des 50 dernières années. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard sur Syllab. Donc vous l'avez compris, c'est la rentrée, mais c'est encore l'été. Et donc c'était Don Omar avec Vincenzo, avec Danza Kuduro. Donc on est d'accord, mon cher Jean-Baptiste, la meilleure chanson des 40 dernières années. Après les Beatles, il n'y a eu que ça. En voilà, fait, exactement, il n'y a eu que ça. Vous êtes d'accord, cher docteur? Je dis rien. Donc... c'est Danza Kuduro qui est maintenant la chanson la plus diffusée dans cette émission depuis sa création, parce que là c'était la 8e fois qu'elle était diffusée à peu près. Springsteen et Dylan, allez vous couper. Exactement, ah oui, de vieille merde. Qui sont les deuxièmes. D'autant que là c'est la même chanson, hein. C'est parce que Don Omar fait d'autres trucs, mais c'est carrément moins bien, quoi. Alors que là, mais parce qu'une fois de plus, Vin Diesel fait beaucoup pour la musique latino-caribéenne et la musique de reggaeton. Il a même fait la couverture d'un magazine de reggaeton le mois dernier pour justement montrer un peu l'influence qu'a eu Vin sur la popularisation de cette musique donc latino-caribéenne et reggaeton. Le reggaeton qui est bien la musique qui colle et qui correspond à la saga des Fast and Furious, car vous l'aurez compris, c'est de ça dont nous allons parler dès à présent à l'occasion de la sortie le jour de la fête nationale française, donc le 14 juillet, cocorico, donc du nouveau Fast and Furious qui devait sortir en avril dernier, mais malheureusement pas de bol, vraiment un genre de complot pour empêcher la sortie du film donc en avril, le confinement est venu gâcher un petit peu tout ça et le film a été repoussé de un peu plus d'un an, ce qui est bien dommage car c'est un film qui aurait pu nous aider à traverser cette période trouble et compliquée avec plus de sérénité. C'est d'ailleurs étonnant parce que je trouve que tous les acteurs ont pris un coup de vieux, on a l'impression que ça a été tourné cette année, ils sont tous épuisés, un peu gros et vieux. Ils ont tous la cinquantaine, quoi. Ouais, mais là, ça se voit, quoi. C'est un peu, ça ressemble à un vieux groupe de rap sur le retour, quoi. C'est un petit peu presque gênant, des fois. C'est les Svinkels qui reviennent. Voilà. Ça fait un moment qu'ils sont revenus, les Svinkels. Mais oui, effectivement, avec un petit coup de vieux. Gérard Bast, oui, un petit coup de vieux. Qui, disons, ne refuse jamais de reprendre trois fois de l'andouillette. Voilà. Donc, Fast and Furious. Et... on chronique les films de Fast and Furious donc depuis le 5e épisode, tout simplement car avant l'émission n'existait pas, donc on ne pouvait pas chroniquer le 1, 2, 3, 4 parce que... Ça n'existait pas au moment du 4 ? Non, ça n'existait pas, ah non, ouais. Ça a été créé juste un peu avant, tu vois, un peu mi-temps, tu vois. Parce que le premier, c'est quoi? C'est 2001, la saga a 20 ans. Il y a le 11 septembre et le premier Fast and Furious. Ouais, exactement, aucun rapport, je crois. Non, tout. Je ne crois pas. Non. Donc, c'est vrai qu'on a parlé d'une grande partie de la saga, y compris du spin-off dans cette émission, à chaque fois avec un enthousiasme renouvelé, on va dire, notamment au moins jusqu'au 7, le 7 qui est connu une fin tragique, puisque... sur le film était décédé Paul Walker à jamais dans nos cœurs et qui après était suivi du catastrophique 8e épisode de F. Gary Gray où là on se disait vraiment qu'ils avaient épuisé toutes leurs ressources, toutes leurs idées, notamment en termes de scénographie et en termes de mise en scène. Je pense que le film a vraiment aussi pâti du fait que Paul Walker soit plus là et qu'ils étaient complètement perdus, et c'est pour ça que pour on va dire, remplacer le frère de substitution du personnage de Vin Diesel, donc qui est Dominic Toretto, donc qui était le personnage interprété par Paul Walker, il décide donc dans ce nouvel épisode où il est une fois plus encore question de la famille de ramener son vrai frère biologique dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là depuis 8 films, hein, même pas dans le premier une seule allusion. Donc c'est Janssen, le nom français de John Cena. Et donc, il y a John Cena. Oui, qui joue le frère. Voilà, okay. Tu vois, on va la pâter. Okay. Donc, ça ressemble de plus en plus à une réunion d'anciens de la WWF. En fait, je trouve que les Fast and Furious réussissent, notamment depuis 2-3 épisodes, à faire ce que Expendables n'a jamais réussi à faire. Avec une synergie de gros bras, des années gros bras. 80, très catch, quoi. Voilà, très catch. Je vais essayer de faire le plot un peu parce que le film est quand même dense en termes narratifs. Tu viens de le faire parce que moi, je me rappelle, j'ai rien compris, je crois. Donc, ça commence donc
après lui, ils vivent tous peinards tranquilles à la campagne. Ils font pas des barbecues. Ils réparent des tracteurs. Si, j'ai vu la bande-annonce pour ça. Ils réparent des tracteurs, tout ça, ils sont contents. Et un jour, genre, l'équipe arrive chez Vin Diesel qui vit avec Michel Rodriguez et donc l'enfant de Vin Diesel qui s'appelle Brian, comme le perso de Paul Walker, jamais dans nos cœurs. Brian. Et donc, il décide, en fait, il trouve que Monsieur Nobody, qui était le personnage interprété par Kurt Russell dans le 7 et le 8, a eu en fait un accident d'avion, on sait pas. Donc, ils ont un truc à aller récupérer dans un obscur pays d'Asie du Sud-Est, ouais. Je crois, un truc comme ça. On sait jamais vraiment, de toute façon, là-bas dans ces pays, comment ils sont. Donc, une course-poursuite, ils doivent récupérer un truc, évidemment. Ça se passe mal, et c'est là qu'entre en scène Janssen, justement, donc John Cena. Et là, ils disent, mais en fait, mais bordel, il est de retour, il est relâ, et qu'est-ce qui se passe? Mais, et Dom, il ne cacherait pas un lourd secret, finalement? Ce qui va permettre dans le film cette structure en flashback, justement, on va voir. Susan Kane, cache-toi! La jeunesse, on va dire, une partie de la jeunesse de Dom et de Janssen, et leur rapport avec leur père, qui est mort en 1989, donc, sur, lors d'un terrain de course, voilà, une piste de circuit, voilà, ça nous rappelle un peu Ricky Bobby, roi du circuit, notamment, ou alors, jour de tonnerre, hein, pour les plus cinéphiles d'entre nous. Et donc là, va, du coup, se développer une histoire d'espionnage où ils ont des pièces à ramener, des trucs un peu chelou, et là du coup revient le perso de Charlize Theron, donc qui jouait dans le 8, sauf qu'elle avait des tresses comme Angelina Jolie dans 60 secondes chrono, et maintenant elle a une coupe au bol comme Edith Preto, et elle enferme dans une cage en verre, voilà. Et elle bouge pas de tout le film. Elle a eu à peu près 4 jours de tournage, je pense. C'est très étonnant, ouais, c'est comme très... Kurt Russell qui apparaît 2 secondes sur un écran. Il y a une scène de flashback quand même, parce que oui, lors de leurs enquêtes, donc ils découvrent que Monsieur Nobody avait fait appel à un ancien de la famille, donc qui est Anne, qui était mort normalement à la fin du 6, donc dans le 3. Anne, c'est qui? C'est le... Anne Solo? Non, mais non. Anne Hathaway? L'Asiatique. Il va courir? Anne le Chinois? On sait pas, parce qu'il est au Japon, ouais, on sait plus. C'est qui l'acteur qui joue, celui qui joue Anne? Mais personne le sait, il a fait que ça. C'est... Ah oui, en fait, c'est le quota pour vendre en Chine, c'est ça? Mais c'est même pas vraiment la Chine, c'est l'Asie. Oui. Ah, voilà, bref. Donc, il normalement meurt à la fin du 6, tué par le perso de Statham. Donc, dans le 3, parce que le 3, en termes chronologiques, se passe après le 6. Oui, parce qu'après, il sera rabiboché. Moi, je suis déjà largué. Hein, et donc, tous ces personnages vont se retrouver. La famille, ils vont aller partir un petit peu aux quatre coins du monde. Justement, il y a un côté exotique que j'aime bien, qu'on retrouve aussi un peu dans l'émission Impossible de notre ami Tom. Ah ouais. Un côté presque film d'aventure. Voilà, c'est séquence, ça, exactement. Voilà. La grosse séquence de première séquence d'action. Donc, voilà qui se passe en Asie. Il y aura des séquences en Allemagne. Ils vont finir en Géorgie. Il y aura des scènes d'action à Londres. Il y aura Hélène Mirren qui va revenir pour une petite séquence de poursuite avec Vin Diesel. Nulard, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il y a ce côté exotique. Et ce qui fait, de toute façon, le sel des Fast and Furious, au-delà, on va dire, de sa dramaturgie, somme toute relative, même si assez longue dans le pain, parce que le film fait 2h20 bien tapé. Hein. Oui, donc l'intérêt, ce sont surtout les scènes d'action et à quel point, au fur et à mesure des épisodes, et surtout depuis le 5, où ils ont arrêté de faire des trucs de tuning de kéké pour faire des vraies scènes d'action, là, en fait, j'ai l'impression qu'ils filent de plus en plus, en tout cas, ils ont de plus en plus comme influence le cinéma indien et le cinéma bollywoodien. Donc, dans ce sens où la gravité n'a strictement plus aucune sorte d'importance et on peut faire des cascades absolument improbables avec des camions, avec des voitures, et du coup, ça vire vraiment vers le grand guignol. Mais je trouve que c'est fait avec un entrain et une envie qui, pour le coup, dans pas mal de blockbusters américains modernes qui sont quand même souvent chiants et on va juste des connards en slip qui se tirent dessus. Je vais pas dire que c'est frais, hein, mais je veux dire que c'est agréable. Si, moi je suis d'accord. Les séquences d'action sont vraiment chouettes en fait dans cet opus. Il y a des vrais effets physiques. Hein, voilà. Il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Et par contre, là où le film pêche, je dis ça avant de pouvoir vraiment commencer à s'éclater à parler des séquences d'action, c'est quand même sur l'écriture du scénario qui est quand même hyper cryptique et incompréhensible. Alors, quand même, c'est du Fast and Furious. Donc, on voit bien qu'ils n'ont rien à fiche de l'histoire que tu as résumé d'ailleurs en disant il va chercher des trucs à droite à gauche, on sait pas trop ce que c'est et ce qu'ils font. Mais peu importe. Et puis les dialogues, il y a quand même un gros problème au niveau de l'écriture des dialogues où plus personne n'a rien affiche en fait. C'est ce du simplisme total. Ouais. Alors que le 5 et le 6, il y avait l'envie quand même de faire des petites séquences un peu de buddy movie, de trucs marrants, de personnages où il y a des trucs de relationnels qui marchaient bien. Quoi. Et là, non, il n'y a plus rien. On se fiche de tout et finalement, le seul intérêt, c'est les séquences d'action. Heureusement, elles sont réussies. Quoi. Mais où surtout en plus dans les personnages et puis dans les dialogues, donc il y a le personnage de Ludacris et le perso de Roman Pierce là, qui en fait, c'est un peu le tech guy et puis le mec qui fait des blagues parce que c'est un gros relou. Là, en fait, ils passent leur temps à littéralement commenter le film. Ça, c'est un peu amusant. C'est un peu marrant, en fait, mais on va en reparler parce que c'est un truc que je trouve intéressant. Mais ça revient ponctuellement, ce qui
pour certains a pu passer pour du cynisme, mais qui finalement, c'est juste qu'ils sont conscients peut-être un peu du caractère, on va dire, léger et frivole de leur franchise. Et finalement, d'avoir ces mecs-là, ça permet un peu de ramener le truc à une réalité. C'est, vous regardez un film, hein, les cocos, c'est mollo mollo, quoi. À la fin, ils finissent dans l'espace, où justement, ils disent, putain, mais deux mecs du ghetto dans l'espace, personne va nous croire, quoi. Ils sont dans une bagnole dans l'espace et ils vont vers un satellite pour l'exploser. Ouais, non, mais après c'est pas si aberrant que ça. Enfin, je veux dire dans la franchise James Bond, oui. qui finalement quelque part est pas si éloigné que ça de Fast and Furious. C'est juste qu'on est les Bond des années 70 plutôt, face à Roger Moore, trucs comme ça, parce que les Craigs sont plus. Voilà où ça devient au bout d'un moment ça devient n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça devient n'importe quoi, c'est que ça effectivement ça se permet des libertés. Voilà, ça s'affranchit totalement et de la géopolitique et finalement du scénario et finalement aussi de la gravité. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on est plus fantastique finalement que dans du film naturaliste entre guillemets, quoi. Mais en fait, il y a quelque chose qui est assez étonnant dans cet épisode quand même, c'est cette espèce de on sait pas trop sur quel pied danser. On dirait que eux-mêmes savent pas trop ce qu'ils font entre le côté complètement rocambolesque et le côté hyper Bollywood des séquences d'action, et quand même une volonté de dire mais c'est quand même un petit peu terre à terre, parce qu'on est quand même des conducteurs de bagnole, il y a quand même des lois qui existent, même si on les bafoue complètement. Du coup, il y a cette espèce d'entre-deux, le cul entre deux chaises, hein, c'est un peu bizarre. Les personnages qui commandent constamment l'action, c'est notamment le personnage de Tyrese Gibson qui arrête pas de dire mais en fait, bah, c'était ce que tu as mis en ouverture de l'émission. On a survécu à tout, voilà, on s'est pris des balles, des sous-marins. On est toujours en vie, donc on n'a pas une seule égratignure. Peut-être qu'on est invincible en fait. Donc il y a une sorte de commentaire pour montrer que la saga va vers cette approche presque super-héroïque, presque marvelisante, mais en mieux quand même. En beaucoup mieux au niveau des séquences d'action notamment. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est que parallèlement à ça, ils vont pas jusqu'au bout de certains délires. La bagnole dans l'espace, par exemple, ils ont la volonté de faire un truc pseudo-réaliste où ils expliquent physiquement comment la bagnole va aller dans l'espace. Alors qu'on s'en fout. Avec un gros canon. Mais oui, on dit, mais lancer des réacteurs et faites une poursuite dans l'espace. Flinguer alors, des bagnoles dans je l'espace. Je pense qu'ils gardent des trucs en réserve pour le disque qui sera le dernier de la saga, dont le tournage a commencé et dont ils ont déjà teasé avec un jeune Mexicain qui a genre le crâne rasé. Et sur ses contours, c'est marqué F10. C'est marrant parce que quand tu parles du scénario ou quand vous parlez des scènes d'action, c'est marrant parce que je me dis mais en fait c'est presque du Louis Feuillade en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on revient presque aux origines feuilletonesques. Ah, mais là on y est complètement du cinéma, quoi. Mais avec évidemment 250 millions à chaque film, quoi. Voilà, surtout que ça plus, en termes de feuilleton au fur et à mesure des épisodes, parce que à partir du 3 en fait ils pensaient que le truc allait mourir. Ils ont fait plus ou moins un genre de baroud avec le 4 où ils ont ramené Vin Diesel et puis Paul Walker et puis tous ceux du film d'origine. Vu que le truc a marché, ils ont réussi à faire un plus gros film d'action, et à partir de là, ils se sont mis à raccorder tous les films, même si apparemment, ils n'étaient pas vraiment faits pour aller ensemble, quoi. Ouais. Mais ça, c'est ce que j'aime bien dans la saga, c'est ce côté un peu de briquet de broc. De Ravi Bochel. Mais qui est super, parce qu'effectivement, tu as raison, il y a ce côté feuilletonesque à mort, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le roman feuilleton, avec des retours de personnages décédés, mais qui reviennent, et il y a une explication complètement débile pour expliquer les méchants du précédent ne restent jamais vraiment méchants parce qu'ils attaquent la famille. Ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un bad guy. Chaque fois, c'est le bad guy de l'épisode, et à la fin, il intègre l'équipe. Statham, The Rock dans le 5. Ça, c'est parce qu'ils sont trop cool, tu vois. John Cena dans celui-là. Alors, par contre, oui, ça aussi, c'est un aspect qui m'a un peu gêné aussi, c'est que il y a un laisser-aller au niveau de la scénographie, pas de la scénographie, mais de la construction narrative en fait. Autant le 5, il y avait des codes qui marchaient bien parce que c'était bien amené, c'était bien. Parce que c'était plus des codes du film urbain, voilà. Du film de case, du film de poursuite. Et puis voilà, le personnage de The Rock, quand il apparaît pour la première fois dans le 5, il apparaît vu de dos, on voit sa nuque, ses gros muscles. Il a 4 coups tellement il est musclé. C'est ça, mais il arrive à un moment opportun, c'est-à-dire qu'il est annoncé, on sent que c'est le gros flic badass qui va défoncer les personnages principaux, on le pressent en fait, on pressent son apparition et du coup il a un vrai impact quand elle arrive. Ici, John Cena, ils veulent faire la même chose. C'est-à-dire qu'il arrive de dos, on voit juste sa nuque, il surplombe tout le monde et on se dit oh, c'est un mec badass. Sauf que ça arrive en plein milieu d'une séquence d'action, c'est absolument pas annoncé, c'est largué comme c'est ça. C'est pas amené, c'est non. Genre pour créer un truc de surprise, là, tiens, Janssen. C'est très bizarre. Il y a vraiment un truc dans cet épisode où il y a un vrai savoir-faire et une vraie envie dans les séquences d'action, mais tout le reste est laissé, mais comme dans le 8, vraiment de côté et fait à la va-vite, quoi. Mais c'est mieux emballé que le 8 parce que FDR est quand même un vrai cochon de la mise en scène, alors que Justin Lin, il a quand même plus d'intérêt. Qu'est-ce qu'il a fait déjà, FDR? Il avait fait des polars pourris avec Vin Diesel au début des années 2000. Il a fait le film NWA aussi. Pas tellement un esthète, mais c'est Black Power, quoi. Ouais, non, c'était pas un bon. Au moins, tu sais, Justin Lin, il a au moins un sens du rythme. Avec, on retrouve ce qu'on a aimé dans les Fast and Furious, c'est-à-dire le point de montage sur les changements de vitesse. Ah, ça, c'était génial. C'est mortel. C'est-à-dire que quand un mec
je change de vitesse, le montage s'accélère et ça cut à mort. Et putain, ça marche hyper bien. Qui est en fait un, quelque chose que moi je me souviens avoir vu, mais sous une forme archaïque dans Torque, la route sans flamme. Ça aussi, c'est une génial, génial film avec Ice Cube. Je vous recommande d'ailleurs l'excellent podcast. Le Capture Mag avec Moïsakis et puis Dupuis qui parle de Torque, la route sans flamme. Ah, c'est génial. Mais ce film-là, ça, c'est un film super drôle. Hein. Ça, Torque, c'est que tout le monde a oublié. Mais c'est un film un peu aberrant qui montrait justement qu'avec une caméra, on va dire, invisible, une caméra virtuelle, on pouvait tout faire et surtout n'importe quoi. Comme par exemple une caméra qui rentre par un pot d'échappement qui ressort par le cul du gars. Bon, c'est génial. Ah, quelle belle époque. On s'amusait bien à l'époque, Hollywood. C'était aussi produit par. C'est là qu'on se rend compte que justement, c'est la période des premiers Fast and Furious et on est quasiment dans on est quasiment encore dans une forme d'expérimentation qui en fait est devenue une sorte de norme en fait, avec la caméra libre, mais mais alors voilà, après la question c'est pour faire quoi évidemment, et libre pour faire des trucs parfois intéressants, parfois des trucs débiles. Là pour le coup, ce qui est agréable, c'est que oui, il y a un côté synthèse, bien sûr, il y a plein de séquences en images, mais ça reste, il y a beaucoup d'effets pratiques, justement. Il y a des bagnoles qui se crachent, des vraies voitures. Ils ont réellement balancé une bagnole à travers 15 magasins dans une rue, des trucs comme ça. T'as vraiment... Ah, bonjour, le bilan carbone. Ah ouais, hein. Bah là, c'est sûr. Par contre, un bilan carbone, c'est pas très co-responsable, tout non, ça. Non, c'est hein. pas très COP21, clairement. Par contre, on voit de plus en plus l'influence Michael Bay. Enfin, toute une séquence avec des espèces d'électro-aimants dans des camions. Ah oui, putain, c'est une relecture totale de Six Underground. Ah ouais, ouais. Carrément. En plus, ça marche super bien. La poursuite dans Londres et tout, parce que t'as vraiment des éléments comiques qui marchent. T'as des scènes d'action qui sont bien branlées. Les persos sont drôles à ce moment-là. Et quand il faut, t'as genre des fights à main nue et des poursuites en voiture. Une petite poursuite sur les toits. C'est hyper bien rythmé. Avec une séquence de poursuite entre une voiture et une tyrolienne. Qui est la tyrolienne la plus longue du monde. C'est génial. Précisons que c'est pas une femme qui vient du Tyrol. Hein. Non. Ça, on parle bien de la tyrolienne. Non, c'est Janssen qui fait de la tyrolienne. Donc dans le 10, il y aura de l'acrobranche. Ah, c'est possible. Ouais, c'est du bloc. De l'acrobranche. Du bloc. Et il y a quand même une poursuite pareil dans une jungle avec des mines. Une poursuite dans un champ de mines où ils explosent une forêt. Mais c'est extraordinaire, quoi. Et là aussi, pour le coup, un peu une relecture de la chute de l'ange. Oui, un peu, exactement. Est-ce qu'on voit mieux, c'est ça? Il y a quand même une relecture du Temple Maudit avec un pont suspendu qu'une voiture traverse, alors que le pont tombe et la voiture escalade le pont suspendu qui est tombé le long de la falaise. Et après, il disait, vu qu'il n'y a plus de pont, qu'est-ce qu'il fait? Il harnache sa bagnole à genre un câble qui reste. Et il fait Tarzan, en fait. Il fait un vol panique, il balance sa bagnole de l'autre côté de l'Ifalandi. C'est extraordinaire. Alors, c'est du haut niveau en termes de séquence d'action. Ouais, c'est vraiment du vrai bon. On a pris quand même vraiment du plaisir parce qu'on l'a vu ensemble avec JB. Et ce qui est bien, c'est que les séquences sont longues, généreuses. Ouais. Ce qui fait que oui, il y a au moins une bonne heure de trop de dialogues qui servent à rien, mais il y a une heure de séquence d'action. C'est-à-dire, sur 2h20, il y a une heure où il y a juste des bagnoles qui se crachent dans tous les sens. Rien vraiment, pour ça. Qu'est-ce qu'ils aiment casser des trucs, quoi. Ça, c'est cool. Voilà. Non, puis c'est quand même toujours agréable de retrouver ces vieux persos de Kéké qui ont genre toujours les mêmes valeurs qui sont pas vraiment des valeurs. Ça parle à Thierry Larigot de la famille, c'est cool parce que ça porte des Marcel et des grosses chaînes, voilà. Il y a quand même Vin Diesel qui se permet une sorte de... Par contre, qu'est-ce qu'il est mal habillé, Vin Diesel? Il a que des pulls de merde, quoi. Mais il se permet une sorte de scène ultra années 80 qui est ridicule au possible. Où il combat tout seul 20 mecs sur un pont suspendu. Il y a 20 mecs sur un pont suspendu et il se les fait tous, mais genre il les prend comme au catch, il les balance dessus. Mais ce qui donne après une petite séquence de rêve que j'ai trouvé pas trop mal, moi. Une genre de réminiscence avec son père, il est dans l'eau, il pense qu'il va se noyer et tout. Voilà, ça rattrape un peu le truc qui petit scarabée, il faut que tu t'en souviennes. Maîtrise les éléments. D'accord. En flashback. Mais il y a Michael Rooker, tu vois, t'es content. Il y a un truc un peu flou dans ce film, c'est-à-dire qu'on sait jamais vraiment où est-ce qu'ils vont, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc un peu entre deux, ce qui permet de faire une JB. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait, mais le plan d'ouverture du film, c'est quand même un truc complètement flou, on voit pas ce qui se passe, et en fait, c'est un reflet dans le casque, dans un casque de voiture de course. Donc, Travelling Arrière qui révèle que c'est un casque, on voit Toretto écrit en dessous, on se dit, oh, c'est Vin Diesel, c'est une course de voiture, c'est énorme. En fait, non, c'est son père, et on se rend compte qu'on est en 89. Mais il y a effectivement. Quelle belle année 89. Hein. Moi, je croyais que ça allait révéler Philippe Toretto. Philippe Toretto. Pourquoi pas? Cette ouverture là sur une sorte de poursuite, de course-poursuite floue, de course en voiture floue. Et il y a un truc effectivement qui projette un peu quelque chose sur le film où on se dit, ouais, ils savent pas exactement où ils y vont vite et furieusement. Mais... Moi, ce que j'aimerais beaucoup pour le 10, pour finir la saga, après, c'est un doux rêve, mais que le méchant ça soit Gérard Butler, ça serait genre la consécration. De... Ah, je pense que tu te ferais pipi dessus de toute façon. Et t'éjaculerais en même temps. Je pense que ce serait les deux. Je pleurerais de la bite que c'est genre le meilleur film de la décennie. Il tease le retour de Statham. Ah oui, carrément, ouais. Oui, dans la séquence. Mais c'est triste qu'on ait perdu The Rock, hein. Moi, ça, c'est vraiment un gros regret. C'était quand même une des plus-values de la saga. À cause de problèmes
relationnel entre Vin et The Rock. Bah, entre grosses couilles, bon, au bout d'un moment. Surtout entre gros égos, parce que Vin Diesel a un énorme égo. The Rock aussi, je pense que les deux doivent pas être, c'est pas les rois de la modestie quand même. Non, mais bon. Et puis Vin Diesel, là, on voit bien que dans le film, il veut se donner une consistance avec toute espèce de backstory en flashback, un peu mythologique. Et il tire une gueule de 3 pieds. Oui, sauf qu'il est pas. Il marmonne encore plus qu'avant. Ah ouais, il tire la gueule tout le temps. Sauf qu'il rigole. Il est pas chez David Towie, quoi, c'est ça. Non, mais pour lui, c'est pas fun, quoi. Alors que tous les autres s'éclatent, on sent bien. Tyrese Gibson, il s'éclate. Même Ludacris, il est super content d'être là. Il arrête pas de faire le. Ludacris, il est toujours content. Mais ouais, il est toujours content. Il est cool, Ludacris. John Cena est super content aussi, clairement. Ah non, Vin Diesel, il se prend vraiment au sérieux, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est parce que c'est le seul qui pense genre, au premier degré que c'est des drames familiaux et des. Et qu'il restera pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, les gens se souviendront de lui pour ça, quoi. Et puis, quand même, on va parler de la place des femmes dans le film qui, quand même, je trouve, évolue beaucoup d'épisode en épisode. Et là, il y a quand même plein de séquences où elles sont quand même moins gourdasses que dans pas mal. Pure séquence d'action avec elles. C'est plus. Michel Grosjean, c'est pas trop le genre à jouer les gourdasses. Bah, dans le 4, par exemple. Même dans le premier. C'est-à-dire que c'est plus juste des aspects au boule rebondi qu'on va voir sur une musique. Que de reggaeton. Non, justement. C'est vraiment des femmes fortes. Et puis il y a toute une séquence de baston au Japon là, qui est super chouette dans une sorte d'appartement. Les gens un peu plus malines que les mecs qui sont juste des bœufs. Défoncent tous les mecs là, c'est trop bien. Ouais, ça c'est cool. Ça fait un film progressiste. Ouais, avec des. Mais honnêtement, des chorégraphies. Un film post-MeToo. Un film post-MeToo, ouais, tout à fait. Des chorégraphies tout à fait acceptables. Exactement. Vraiment, ouais. Chouette, même dans les mano mano et tout, donc voilà. Ouais. On n'a pas boudé notre plaisir. On non, c'était un vrai plaisir. Faut le voir avec des bières en buvant à chaque fois qu'ils disent le mot famille. Voilà, ça c'est. Vous allez faire bourrer assez vite. Encore que. Pas tant que ça, parce qu'on a remarqué quand même. C'est plus sur la fin du film où le rythme de la famille prend tout d'un coup plus rapide et plus furieux. Quand même. Ouais, tout à fait. Mais ça met comme une bonne heure avant de dire le mot famille, hein, on tient à le dire. C'est un peu décevant ça pour le coup. Mais on boit encore de la Corona. Voilà, c'est... Mais c'est voilà cette séquence dans l'espace qui, à mon sens, c'était un peu une déception parce qu'on s'attend à ce que ça aille beaucoup plus loin que et ça. Et la dernière scène du film, donc encore un barbecue où plane encore le fantôme de Paul Walker, justement, parce que le personnage n'est pas mort dans la saga, il est mort dans la vie du coup, mais pas dans la saga, et donc il y a toujours un peu ce fantôme qui hante le film, le personnage qu'on ne verra jamais, mais qui est là quand même. Parce que c'est le conjoint de la sœur de Dominic Toretto, interprété par Jordana Brewster, et qui revient dans l'épisode, parce que justement, John Cena fait le frère de Dominic Toretto, mais aussi du coup de Mia. Donc elle a un rôle à jouer, bien sûr, dans cette tragédie familiale. Hein. Non, mais c'est du Shakespeare. Oui, c'est du Sophocle, même. C'est du Sophocle. Non mais voilà, c'est un peu mi-film mi-raisin parce que voilà, j'aurais aimé que le reste du film soit à la hauteur des séquences d'action, qui est vraiment un côté fun dans les séquences de dialogue. Ne serait-ce pas un peu trop demandé non plus? Non, bah non, parce que le 5 y arrive très bien. Même le 6, hein, ouais, mais, le 6, ouais, mais justement, est-ce que le 5 voilà, n'est pas un one shot, enfin quelque part une sorte de one shot de point d'équilibre qui est difficile à tenir qui en fait pile au milieu de la saga, sur un type d'intrigue comme ça en fait. Tu sens qu'ils ont pris tout ce qui semblait plaire au public et se sont dit le public aime les séquences d'action, on va faire que ça et on va pas soigner le reste. Et c'est dommage parce que je pense qu'une bonne séquence d'action doit être bien introduite, doit être bien mise en place avec narrativement du relationnel, voilà, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose qui joue en termes d'enjeu pour que on puisse prendre du plaisir à ce qui est en train de se passer. Là, on voit juste de la tôle froissée. Après, c'est hyper efficace et hyper jouissif. Du coup, oui, il y a pas d'enjeu, mais à la fois, ça a du mal à dépasser le stade du purement ludique en fait. Exactement. Ouais. Ça manque de cœur. C'est exactement ça. Je trouve que le film manque de cœur. Après, le 8, il y avait pas de cœur et pas de séquence d'action. Là, c'était vraiment horrible. Et puis d'ailleurs, même une relecture du 8, c'est presque une vengeance sur le 8 parce qu'il y a toujours ces voitures zombies, sauf que là, elles sont pas télécommandées, elles sont attirées par les trois éléments. Et du coup, il y a une séquence, il y a une sorte de tank où ils projettent des voitures dessus, puis il y a genre 150 voitures qui balancent sur le tank. C'est formidable. Ouais, c'est beaucoup de plaisir. Tout en cassant bien sûr des buildings, en tapant des flics. Voilà, ça fait toujours plaisir quoi. Donc t'as pas le droit de dire ça hein. Gérald Damanin va porter plainte non, contre mais... toi mais c'est des flics de Géorgie. Ah oui c'est vrai, c'est pas de la police française. Non, c'est bon, on a le droit, ça, on peut. Et puis il y a cette actrice que tu adores, Nathalie Emmanuel. Voilà. Ah bah oui, voilà. Qui fait une séquence de conduite géniale parce qu'en fait, c'est le seul personnage du film qui ne sait pas conduire. Ça c'est drôle. Enfin pour quelqu'un qui sait pas conduire, ça va quand même. Ouais, ça va. Bien, bah elle appuie juste sur l'accélérateur en fait. Ouais ouais, mais Nathalie Emmanuel, respect. Bonjour. Exactement. Donc voilà, c'était Fast and Furious 9 donc de Justin Lin qui est disponible un peu partout parce qu'il est sorti sur le scène du stream de HBO ou Paramount ou Amazon, je ne sais plus. Donc bref, allez voir ça si vous avez des amis et si vous aimez la tôle froissée. On va devoir s'arrêter là, on va passer à quelques autres films de l'été, mais donc une petite pause pour se remettre de tout ça. On a parlé donc beaucoup de famille, on va s'écouter une chanson extraite de Fast and Furious 9 qui nous parle de famille. Mmh.
Si, la famille, donc vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était The Chainsmokers featuring Kygo avec la chanson Family, donc extraite de la bande originale de Fast and Furious 9. Et donc petit pas erratum, effectivement mis au point, parce que nous n'étions pas tout à fait sûrs de la nationalité du personnage de Han, donc il est bien coréen. Ah, il est d'origine coréenne, il est interprété par Sung Kang. Donc voilà, merci Jean-Baptiste d'être à cheval sur les nationalités. À propos d'exotisme, puisque là nous parlions de Corée, nous allons en Iran. Donc pour un film un peu plus... Le pays du fun, exactement. Et c'est vrai que quand on voit le film dont nous avons parlé dès à présent, ça a l'air fun, puisque donc il s'agit du nouveau long métrage, son deuxième film de Saïd Roustaghi, La loi de Téhéran. Donc c'est son deuxième long métrage, c'est en fois à mon âge. Il a déjà fait deux films. C'était quoi son premier? Je sais plus, parce que je l'ai pas vu du tout, je fais genre. Mais donc au moins le deuxième est quand même sacrément costaud. Donc La loi de Téhéran, polar très noir et assez dense. Donc très dense, qui pourrait sur un plot simple, c'est la traque de dealers de drogue par une escouade de flics de Téhéran. Donc ça, c'est un peu le plot de base. Et sauf que donc la première partie du film s'intéressera plus aux flics, à leur méthode assez brutale justement d'investigation, où à un moment donné on peut se dire que ça peut virer justement vers un truc un peu vigilant, un truc un peu droit tard. Et au milieu du film, il y a toute une séquence qui se passe dans une prison avec un chef dealer en fait qui a été arrêté, et là tout d'un coup on a une bascule de point de vue qui se passe, où finalement on passe du point de vue des drogués et du chef dealer, et ça devient du coup un peu plus intéressant et un peu plus ambigu en termes de personnages, et tout ça mené avec une mise en scène qui est hyper efficace. Il y a notamment une scène d'action dans les bidonvilles où ils vont arrêter des crackheads qui est ultra bien faite, qui est vraiment un truc de mise en scène qui est hyper efficace. Et je trouve ça, moi, qui est intéressant dans ce film là c'est justement cette bascule de point de vue qui s'opère pour justement créer un univers dans une ville assez particulière, et dans un état aussi assez particulier par rapport à nos standards occidentaux, on va dire, et que je trouve vraiment tout le sel et tout l'intérêt de ce film-là, qui n'est pas du tout un film aimable. Alors, c'est vrai que moi j'ai été extrêmement surpris, parce que c'est vrai que le cinéma iranien a plutôt un cinéma de festival, et notamment un cinéma de hors-champ. C'est-à-dire un cinéma où on ne peut pas dire ce qu'on veut, donc on va dire les choses par des biais détournés, par le biais de la fable, par ce qu'on ne va pas montrer, etc., etc. Et alors moi, je continue à me poser des questions sur mais comment ce film-là a pu être financé, comment est-ce que les autorités... Parce qu'en plus, c'est un film qui est fait avec des stars du cinéma. Voilà, parce qu'il y a des scènes qui ont l'air quand même tournées à Téhéran, parce que je me suis dit, c'est pas possible, c'est tourné dans un autre pays, quoi, parce que je vois pas comment les autorités iraniennes ont pu autoriser. Il y a des scènes avec des drones et tout ça, et puis il y a des scènes avec, surtout, alors moi, un truc que j'avais pas vu depuis longtemps, avec beaucoup de figurants. Oui. Et que du vrai figurant. C'est-à-dire que quand t'as les poursuites dans la rue, pour le coup, t'as genre des vrais figurants, quoi. C'est pas de... Et c'est un film qui m'a énormément étonné, parce que c'est moi je trouve que ça retourne complètement justement l'image qu'on peut avoir du cinéma iranien, avec une espèce de qui a un peu l'image justement d'un truc un peu précieux, un peu évanescent. Voilà quelque chose de avec plan fixe, voilà, l'école Kiarostami, quoi, Jafar Panahi, tu vois, voilà, alors que là on est clairement, pour moi, beaucoup plus effectivement dans le cinéma des années 70 américain, et quelque part dans la série B italienne aussi, quelque part, avec ces flics et avec cette espèce de monde pourri. Parce que alors ça aussi, je trouve que le discours finalement du film est quand même... C'est comme un sacré paquet d'enculés, mais genre de tout part. Mais tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... de temps en temps, tu as de l'affection pour eux, tu ressens de l'empathie pour eux, mais c'est tous globalement des raclures. Mais c'est très vite désamorcé en plus, les moments d'empathie qu'on pourrait avoir pour les personnages. Les flics sont toujours à la frange de la corruption, ils se tirent la bourre entre eux, le mafieux fait preuve tantôt d'une humanité bienvenue, mais à certains moments tu te sembles complètement oublié en fait. Alors notamment il y a cette scène centrale, moi, que je trouve vachement bien, hein, dans les geôles, où en fait la scène, en fait, c'est une espèce de pièce crado où il y a des mecs, et en fait plus la scène avance, et ça dure une bonne demi-heure, et à chaque fois on réouvre les portes et on fait rentrer 30 gars à chaque fois. Donc au début les mecs ils sont assis, il n'y a pas trop de monde dans la salle, et puis en fait plus ça va, plus tout le monde est debout, et on sent la sueur, on sent qu'il fait chaud, on sent qu'il y a pas de, y a, on sent qu'il y a voilà on les, sent les chiottes, tensions ethniques, ouais, les chiottes dégueulasses, les tensions ethniques, il y a un fils qui, il y a un père qui demande à son fils de se dénoncer à sa place pour lui éviter la prison, enfin c'est à dire qu'il y a plus de relations familiales, il y a plus de relations amicales, il y a plus rien du tout en fait. Et c'est vrai qu'on a l'impression, enfin ça donne l'image d'un Iran qui est complètement vérolé.
par le manque d'humanité, en fait, par le manque d'empathie, le manque d'humanité, ce qui explique d'ailleurs le crack, c'est-à-dire ce qui explique le recours au crack, et le fait que les gens, je veux dire, vivent dans un, et ça, je sais pas du tout comment est-ce que c'est passé avec les autorités iraniennes, hein, parce que je pense pas que ça soit l'ambiance de dire, il y a 6,5 millions de crackheads, je veux dire, en Iran. Enfin, moi, je savais pas du tout, hein, moi, que ça, ce que, je sais pas du tout si c'est une réalité sociale, mais moi, l'histoire de, enfin, voilà, la drogue en Iran, j'avoue que c'est une question que je m'étais pas vraiment posée avant de voir ce film-là, et c'est vrai que tu parlais de densité, moi je trouve aussi que, alors c'est un film qui parle beaucoup. Et d'ailleurs, le film fait 2h15, hein, donc ça peut être assez, moi je suis sorti un peu épuisé en fait de ce film-là, parce que c'est vrai que c'est extrêmement tendu en termes de narration, et puis ça parle, et ça parle en gueulant. C'est-à-dire que les personnages passent leur temps à s'insulter, à s'invectiver, à se menacer. Et donc on est dans un monde qui est pas du tout un monde apaisé en fait. Il y a même, et alors pareil, même avec les femmes, quoi, je veux dire, il y a des histoires, enfin les flics passent leur temps à faire du chantage, passent leur temps à promettre les pires trucs. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, ils avancent comme des, voilà, comme des bulldozers dans leur investigation. Et on est vraiment, pour moi, dans une logique de, voilà, de effectivement un peu vigilante, un peu film des années 70, justement un peu la French Connection finalement. Enfin, en fait, un film, on a l'impression que tout le monde est Popeye dans French Connection. C'est-à-dire espèce de bourrinade voilà, généralisée, mais qui donne, à mon avis, qui derrière ça dissimule, je pense, enfin voilà, dissimule un vrai constat social et qui est hyper hardcore, moi je trouve, sur l'Iran, quoi. Enfin qui est assez, enfin même que je trouve assez courageux, quoi, parce que je sais pas s'il va réaliser beaucoup de films derrière, hein, lui. En tout cas en Iran, j'en sais rien. Oui, c'est vrai que je pense que ça va être compliqué pour lui. Donc c'est La loi de Téhéran de Saïd Roustaï. Mais c'est vraiment une c'est même plus qu'une curiosité. Ouais. Ah oui, c'est un des bons trucs que j'ai vu cet été. Ah, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année aussi. Donc on va parler tout à l'heure de cher camarade Andrei Konchalovsky, mais là mon cher Jean-Baptiste, donc vous vouliez parler de M. Night Shyamalan avec Old, donc son nouveau film, voilà, Shyamalan, ancienne grande gloire du cinéma fantastique, et après pour certains c'est un peu perdu, a fait un peu n'importe quoi, puis non. Après il est revenu, puis on ne sait pas. Alors Shyamalan, non, il a toujours été là, Shyamalan, même pendant Phénomène. Mais bien sûr, mais j'adore Phénomène. Et d'ailleurs Phénomène, c'est une comédie. Phénomène, c'est une comédie, hein, moi, j'ai vu au cinéma, hein, Phénomène, moi, j'ai beaucoup ri, hein. Avec le vent qui tue des gens. Avec le vent qui tue des gens. Donc, les gens qui Old, Old, ouais. Une fois de plus, ça sera un peu vendu comme un film à twist. Des mecs vont en vacances sur une plage et tout d'un coup ils deviennent très vieux. Bah c'est pas ça, c'est qu'ils vieillissent de manière beaucoup plus rapide que dans la réalité, c'est-à-dire que une année de leur vie, ça équivaut à une demi-heure en temps vécu. Donc en fait, ils vieillissent de manière accélérée. Ça s'appelle le salariat. Et donc ils se rendent compte, bien sûr, qu'ils risquent de mourir de vieillesse avant la levée du jour. Donc évidemment, il y a tout un enjeu de survie qui se pose. Et donc c'est des personnages qui arrivent effectivement sur une plage. Et c'est sur cette plage, hein, que se passe cet événement fantastique. Non, moi j'ai trouvé ça chouette. C'est-à-dire que on retrouve vraiment le Shyamalan de Phénomène. Mais moi j'adore Phénomène. Je trouve que c'est un film formidable. Et j'ai retrouvé cette espèce d'humour goguenard. Que dans The Visit, il y avait un petit peu. Même oui, si tout à fait. Plus dans le genre horrifique, mais où il y avait cette espèce de dimension presque satirique, en fait. Oui, c'est ça. C'est très sérieux par ailleurs dans la façon de jouer, de filmer, etc. Mais il y a cette espèce de, pas de cynisme, mais d'ironie mordante, ouais, de ricanement, voilà, de ricanement. Qui est là, et d'autant plus que lui se met en scène comme d'habitude, hein, dans son film, et il se met en scène justement dans son propre rôle, dans un rôle presque de cinéaste. Du coup, c'est assez intéressant d'un point de vue méta, en fait, ce film-là. Il faut savoir, en fait, que c'est une adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle Château de Sable, de Benoît Peters et Oscar Lévy, qui est une bande dessinée géniale. Ce qui est assez formidable, c'est que j'avais lu la BD avant de voir le film. Spoiler! Et dans la bande dessinée, Oscar Lévy fait une préface où il explique qu'à un moment donné, dans la bande dessinée, il y a un passage où les personnages sur la plage, il y a un gamin qui regarde au haut d'une falaise et qui dit: ah, mais il y a quelqu'un qui est en train de nous observer. Alors, ils arrivent tous, ils disent: qui? Mais t'es sûr? Moi, je vois personne. Si, si, il y a quelqu'un qui nous observe. Et Oscar Lévy, il explique dans sa préface: j'ai fait cette séquence-là, mais je l'ai écrite, mais je savais pas trop ce que je voulais dire avec ça. Je sentais que j'avais besoin d'écrire cette séquence, mais je savais pas pourquoi. Et il explique: un jour, un lecteur m'a écrit en me disant mais j'ai adoré cette séquence où vous nous mettez en scène, où on se rend compte que le lecteur observe les personnages, que les personnages nous voient, lecteur, en train de les observer. Et ils disent: voilà, c'est formidable, merci à ce lecteur de m'avoir éclairé sur mon propre subconscient. Et en fait, ce que je trouve génial dans le film de Shyamalan, c'est que c'est une lecture de la BD de Peters et Lévy. Clairement, cette séquence de la falaise devient le moteur narratif du film. Le film est passionnant en termes d'adaptation, et en plus de ça, je trouve que c'est un film qui donne du sens à la mise en scène de Shyamalan, qu'on connaît pour ses plans très longs, etc., ses plans séquences. Et là, c'est génial, parce que le plan séquence, la durée du plan,
fait qu'on on ressent en temps réel le vieillissement des personnages. C'est-à-dire que plus le plan est long, plus on se dit « Attends, là, on sent qu'il vieillit, là, il vieillit en même temps. » Et c'est génial parce que sa mise en scène devient extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que plus le plan est long, plus on se dit « Aïe, 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 là, le personnage est vraiment en train de vieillir et je le vois vieillir en même temps que lui-même se sent vieillir. » Ça, c'est... Moi, j'ai trouvé vraiment formidable. Il y a des incohérences partout, mais c'est du pur Shyamalan. C'est-à-dire que c'est de la mise en scène au cordeau avec des vrais moments plastiques. Il y a une séquence à la fin de course-poursuite avec un personnage qui devient monstrueux. Je vous dis pas comment, mais cette séquence est tétanisante. Non, c'est vachement bien. Vraiment, je vous conseille de voir Old. Voilà. Il faut continuer à aller voir Shyamalan, continuer à défendre ses films, parce que pour moi, c'est un des derniers grands formalistes aux États-Unis. Voilà. Tout ce Merci, docteur. Docteur, à vous. Donc, rapidement, vous allez pouvoir nous parler, camarade, donc de cher camarade, de Andrei Kanjalowski, qui avait déjà sorti un film l'année dernière donc, sur Michel-Ange, et qui là donc, revient avec un film un peu plus austère. Noir et blanc, oui, et Camara, ouais, format 4 tiers. Bah alors, faut dire que ça parle d'un truc assez austère, qui est la répression d'une manifestation ouvrière, en fait, par le pouvoir communiste de Khrouchtchev dans une région, apparemment. Alors, moi, je connais pas très très bien la Russie. Répression. Voilà, mais dans une région qui, je crois, se trouve dans le Caucase du Nord et qui est connue pour être une nation de Cosaques, donc une région qui a une tradition un petit peu anticommuniste, qui vient de la révolution russe. Et donc, la répression, évidemment, est totalement brutale, puisque tout le monde panique à cause d'une bande d'ouvriers qui réclament des augmentations de salaire et qui réclament surtout la baisse du prix de la nourriture, puisqu'on leur impose une hausse de la nourriture. Et en fait, eux, ils ont l'impression d'avoir tout bien fait en tant que communistes, et on leur dit « Ah bah non, désolé les gars, maintenant le pain c'est trois fois plus cher et votre salaire va être baissé d'un tiers. » Et donc les mecs en fait tentent de rejouer la dictature du prolétariat, sauf que le pouvoir communiste, la dictature du prolétariat, c'est bien gentil. Est-ce qu'il aura dit que s'il n'y a pas de pain, il n'y a qu'à manger de la brioche? Voilà, mais ça, non, il n'est pas ça. Mais ça va 5 minutes. Alors, plastiquement, le film est très beau. Il y a plein de scènes de dialogue avec des effets de miroir, avec des choses comme ça. Les acteurs, moi, je trouve, sont très bien. Alors, avec cette espèce de truc, quand je suis face à des acteurs, à une troupe d'acteurs que je ne connais pas, et effectivement, je ne connais pas tous ces acteurs russes, j'ai tendance à leur donner des noms d'acteurs que je connais. Donc il y a Jean Marais qui joue donc le rôle d'un agent du KGB, voilà, qui est chargé de surveiller un petit peu tout le monde. Et puis il y a Woody Harrelson qui joue le rôle donc du collègue de l'héroïne, voilà, qui est donc une cadre en fait de la municipalité, complètement investie par le discours communiste, qui est pas du tout une rebelle, et qui va donc perdre sa fille dans l'émeute et qui va donc chercher sa fille. Alors si le film est plastiquement très intéressant, moi je trouve que le film se regarde très bien, je suis un peu mesuré sur la deuxième partie du film. Je trouve que alors c'est peut-être parce que ce qui m'intéressait en fait dans la première partie du film a tendance un petit peu à disparaître dans la deuxième, et notamment ce qui moi m'intéressait, c'était de voir comment les autorités soviétiques se chient dessus dès que le peuple commence à ramener sa gueule et à dire oh ça va 5 minutes les garçons. Et alors là justement c'est très bien, parce qu'il y a des scènes justement d'émeute, ou alors il y a beaucoup de hors-champ, où c'est vraiment concentré sur cette fille qui elle n'a pas de doute sur la validité qui est nostalgique de Staline, qui trouve que depuis qu'il y a Khrouchtchev c'est le bordel. Donc ça vous donne une idée du truc. Et il y a une super idée qui est de faire de ce personnage non pas un personnage qui va avoir une prise de conscience qui aurait été complètement anachronique dans le cadre de la Russie des années 60, c'est-à-dire quelqu'un qui d'un coup deviendrait anticommuniste, c'est pas possible. Je veux dire, ils sont tous conditionnés jusqu'aux yeux, elle la première, et en fait même jusqu'à la fin du film finalement, elle n'arrive pas à remettre en cause le système. Elle est tellement conditionnée qu'elle arrive que même en voyant les horreurs autour d'elle, même en ayant peur pour la vie de sa propre fille, elle n'arrive pas à remettre en question. C'est trop violent, voilà, c'est ça, c'est trop violent en fait. Et la violence en fait du film, elle n'est pas dans les meutes, même s'il y a des scènes qui citent le cuirassé Potemkin. La scène des meutes, il y a une super scène qui se passe où la fille se réfugie à l'intérieur d'un salon de coiffure, donc on n'entend pas le son à l'extérieur, puis on voit les gens qui meurent. Enfin, c'est à la fois assez sobre en termes de mise en scène et très très efficace en termes d'un point de vue dramaturgique, d'un point de vue spatial. Et ce personnage, comme ça, j'ai trouvé que c'est un des aspects intéressants du film. Ce personnage qui n'a pas de flip idéologique comme ça pourrait l'être dans un film américain, où on va avoir un personnage qui va prendre conscience d'un truc, ce qui fait que le film échappe un petit peu au film à thèse en fait, de ce point de vue là. Après, je trouve que là où je suis un peu plus réservé, c'est plutôt une question de rythme narratif.
C'est-à-dire que je trouve qu'il y a notamment une espèce d'histoire d'amour entre l'héroïne et Jean Marais qui fait que, enfin l'officier du KGB, qui fait que, qui arrive un peu, je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais qui aurait mérité à mon avis quelques scènes supplémentaires de rencontre entre les deux personnages pour mettre un peu de densité. Ouais, pour alors peut-être que c'est aussi parce que je suis pas forcément moi un grand habitué hein, du cinéma russe, donc j'imagine qu'il y a peut-être aussi des effets de narration qui sont voilà, moi je suis plus habitué évidemment au cinéma occidental, donc peut-être que c'est lié aussi à ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça arrive un peu vite en fait, cette histoire d'amour qui est une histoire d'amour qui fonctionne pas très bien d'ailleurs, hein, mais ça arrive un petit peu vite, et je trouve que du coup, le justement, s'il n'y a pas de flip chez l'héroïne, il y a une espèce de retournement chez l'agent du KGB que j'ai eu du mal à trouver crédible dans la deuxième partie, en tout cas totalement crédible. Alors ceci dit, c'est une réserve personnelle, mais j'ai pas trouvé le film honteux, et surtout j'ai trouvé que Konchalovsky 80 balles quand même. Ouais, et je trouve qu'il reproduit, enfin en tout cas moi il m'a bien fait sentir ce que c'est que la l'Union soviétique des années 60 et ce que c'est que la puissance du conditionnement. C'est-à-dire où tu vois les choses devant toi et ça ne connecte pas avec ta vision du monde. Ça connecte pas avec ta vision du monde, et du coup tu te retrouves dans une espèce de chaos en fait intellectuel, qui est que le réel se déroule devant toi et tu continues à être aveugle au réel. Et je trouve que l'héroïne et l'actrice est formidable, hein, l'actrice principale est formidable, mais le casting hein, d'une manière générale, ça je trouve c'est vraiment très bien. Voilà, là il y a vraiment un truc très intéressant qui fait, je trouve, sur cette héroïne qui n'accepte pas le réel. Ouais, qui met beaucoup de temps à accepter le réel, et qui va très très loin justement dans l'observation de l'horreur avant d'avoir un début, en toute fin de film, un début de remise en cause, mais vraiment un début. On va s'arrêter là, merci docteur. Donc c'était Cher Camarade de Andrei Konchalovsky, sorti lui aussi cet été. On va devoir s'arrêter là et on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosa... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Donc, les coups de cœur, Dr Erwan. Alors, moi, ce sera... C'est de la merde. Oh, bah non, c'est pas de la merde, c'est vachement bien. J'allais dire un truc vachement bien. Alors non, donc mon coup de cœur, ça sera un film que j'ai vu au TNB cet été, qui a vraiment été une très belle découverte pour moi, c'est L'Échiquier du Vent. Film iranien, je sais pas pourquoi, hein, ces temps-ci, je suis assez dans le film iranien, qui était pas trop ma tasse de thé avant. Et donc de Mohammad Reza Aslami, film de 76, interdit par les Mollahs, retrouvé chez un antiquaire par le réalisateur au début des années 2000, restauré de manière absolument magnifique, et qui est, alors je résume très vite, un tiers Renoir, un tiers Satya Titré, un tiers Dario Argento, voilà. Big. Pas mal, bien vendu, merci docteur. Et vous docteur JB? Et moi c'est un petit film que j'ai découvert mais que j'ai adoré, c'est That Thing You Do de Tom Hanks, sa première réalisation. Il a fait deux films, Tom Hanks, et c'est vachement chouette, ça suit les pérégrinations d'un groupe de musique dans les années 60, en 64, qui surfe un peu sur la vague des Beatles, et en fait qui fait un gros tube qui s'appelle That Thing You Do, et en fait on va suivre leur carrière où ils débutent des petites villes des États-Unis et ils vont évidemment finir comme des espèces de grandes stars avec cette chanson. Et en fait on comprend que ce film nous raconte l'histoire de ces groupes des années 60 qui n'ont fait qu'une seule chanson, et on sait pas pourquoi en fait ils ont pas fait d'autres chansons. C'est... la chanson est géniale, on se dit mais comment ça se fait qu'il y ait pas un album derrière, ça, voilà. Et donc en fait c'est un film à thèse sur ces groupes là et on comprend ça à la fin du film, c'est super bien amené, c'est la charme. Tom Hanks joue dedans, il joue le manager du groupe, c'est dans un de ses rares rôles de salaud, donc c'est assez génial, assez truculent de voir Tom Hanks en mode bûcher des vanités. C'est vraiment très très sympa, un très bon divertissement. Merci. Alors moi donc ce sera un film de Neil Jordan de 1986 avec Bob Hoskins et Michael Caine, donc qui s'appelle Mona Lisa. C'est super. Exactement. C'est super. J'ai vu ça il y a 20 ans. C'est super bien. C'est ça. Un genre de film noir romantique qui se passe à Londres et à Brighton, qui est absolument magnifique, où Bob Hoskins joue cette race d'acteurs, de personnages qu'on voit beaucoup trop peu, donc c'est-à-dire des mecs qui peuvent être à la fois des purs salopards, des vrais cockneys, des vrais mecs qui font peur et qui en même temps cachent derrière un romantisme absolument magnifique. Ça me rappelle Harvey Keitel dans ses meilleurs rôles, et je trouve que c'est un acteur bouleversant et un film absolument magnifique que je vous encourage à voir. On va devoir s'arrêter là. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci à tous. Donc, bonne rentrée. C'était la reprise
Monsieur Massuet, à bientôt, à la prochaine, merci, quand tu veux. À la prochaine. Et voilà, prochaine émission, prochaine édition. Merci à Valentin pour la technique et merci aux agents de la sécurité qui nous ont ouvert. Sinon, on n'aurait pas pu faire d'émission. Donc voilà, bravo, belle rentrée à toutes et tous. Bonne année et à la semaine prochaine. Ciao, bonsoir. Salut.